Ouais, je l'attendais depuis un certain temps. Ça faisait un moment que j'avais pas marqué toute compétition confondue et c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que c'était un peu long. Après, je jouais un peu moins, donc forcément, j'avais moins d'occasions aussi de marquer. Mais ça fait du bien aussi d'enchaîner deux matchs consécutifs en championnat. Ça faisait depuis Rennes, je crois. Donc la période où malheureusement on était un peu moins bien. Et depuis que l'OM tournait mieux, j'avais pas joué en championnat. Donc ça fait du bien et personnellement de marquer aussi, oui, bien sûr. J'avais connu ça aussi à Monaco l'année dernière où j'avais marqué au bout de 8 ou 9 matchs. À Nice, j'avais eu pendant 2 mois, j'avais pas marqué non plus. Donc pour ça que j'ai pas non plus douté, je me suis pas mis au fond parce que je savais que ça allait bien arriver à un moment donné. Ouais, c'est la libération parce que ça faisait longtemps. Mais voilà, le coach m'avait dit avant le match que le plus important c'était pas le premier mais le deuxième. Donc voilà, c'était un bon pressentiment. J'aurai l'occasion de refaire ce genre de match. Comme je l'ai dit, j'ai pas rejoué depuis Rennes, donc c'était un peu compliqué. Mais parce que les matchs d'Europa League, c'est des bons matchs, mais c'est des matchs souvent compliqués aussi. Et voilà, après, c'est pas non plus une fin en soi. C'est pas parce que j'ai marqué ce soir que je vais marquer à tous les matchs ou que je vais pas reconnaître ce genre de période. Donc il faut continuer à travailler comme je l'ai fait depuis 2-3 mois et puis essayer de rééditer ce genre de performance. Ouais, c'est. Bon, après, on n'est qu'à la moitié du championnat, donc on a encore le temps de voir venir. On a vu que les deux équipes hier avaient gagné, enfin Lyon aujourd'hui avait gagné à l'arraché, nous on a gagné un peu plus facilement ce soir. Et voilà, c'est vrai que derrière Paris il y a une sorte de mini championnat, il faut oublier Nantes aussi qui est là même s'ils ont perdu cet après-midi. Voilà, après on est qu'à la moitié du championnat, donc encore le temps de monter, de descendre en classement. Donc.